don't know where it goes, but it's on to me and I walk on. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur Omsibus 2, comme vous pouvez le voir, sur une nouvelle map, la Albert Frankensteinplatz. En fait, c'est la bus Bennorf, mais c'est pas celle-là, c'est la Barg. Ouais, je vous le mettrai dans le titre, parce que vu que je parle pas allemand, voilà. Alors, les gars, je voulais vous dire là tout à l'heure. Quand je choisirai le bus. Alors le bus c'est à Mercedes-Benz que je suis en train de prendre, parce que là vous pouvez pas le voir. Voilà, vous pouvez pas le voir. Alors vous avez les trois webcams, vous avez ma tête qui est ici là actuellement, vous avez le volant et en même temps vous avez les pédales. En fait je vais utiliser que la pédale d'embrayage et la pédale d'accélérateur, et bien sûr peut-être la pédale de frein, bien sûr, et la pédale de frein. Alors là je vais prendre un bus 4 portes, un Mercedes-Benz G Citaro O530. Alors c'est O530 G Citaro 4 portes. Alors là le chargement il est un peu long, je suis désolé, vraiment désolé. Alors par contre j'avais vu qu'au début je savais pas comment prendre des passagers sur cette map là que j'ai téléchargé hier ou avant-hier. C'est alors en fait le nom de cette map là c'est la Bourg, alors c'est B-A-O-M-G-A-R-T-E-N, et en fait sur cette map là en fait il faut aller sur le 92E. Donc là vous avez les deux bus qui sont à peu près dans ce carré là. En fait il faut rentrer la ligne là dessus déjà, et puis après rentrer la ligne dans le bus. Alors là j'ai pris la U3, c'est une ligne, ben voilà c'est une ligne, et en fait faut pas rentrer le numéro de la ligne, faut tout remettre à zéro. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que faut mettre je vous ferai voir ça tout à l'heure, bien sûr si ça met pas trop longtemps à charger. Voilà, là c'est mon sacré de charger. Alors là bien sûr vous avez un écran tout blanc, et moi j'ai le tableau de bord qui ici comme vous pouvez le voir ici, et bien sûr j'avais le petit carré de chargement qui était à peu près ici. Alors là je sais pas pourquoi mais je sens que ça a planté. On va attendre encore un peu. Voilà. Vous voyez là je suis là. J'ai mon bus. Alors, on va rentrer dedans, bien sûr. Alors, pour aller dans le bus. Excusez-moi, parce que je viens juste de manger. Alors pour entrer dans le bus, il faut appuyer sur S, juste la lettre qui est en dessous du Z, et entre la lettre K, Q et D. Voilà, vous voyez, regardez. Bon, là, bien sûr, vous ne pouvez pas voir le bus, mais voilà. Dès qu'on rentre dedans. Alors, pour le démarrer, je vous explique qu'il faut... attendez, comme ça, je vais mettre le clavier ici. Alors, voilà. Vous le voyez là, je crois. Ouais, à peu près là. Alors, pour le démarrer, il faut appuyer sur le E. Attendez, là il y a un problème. Alors là il y a un souci, c'est que normalement, voilà. En fait, faut appuyer un peu dessus. Alors là le bus il est sous tension. Attendez, voilà, je vais rabaisser un peu. Alors par contre, ils disent appuyer sur le M, mais vu que c'est un clavier, vu que là on peut pas configurer le clavier allemand. Configurer en français. Alors la touche pour démarrer normalement c'est M, elle est juste là, je sais pas si vous la voyez, là juste juste à côté du N et juste au dessus de l'espace, vous appuyez dessus. Voilà, le bus là il a démarré, ça veut bien l'entendre.
Alors, j'avais dit, je vais vous faire voir ça. Hop, voilà, là, regardez. Alors, je vais prendre le U. Alors, le U, c'est là. Vous voyez, U3, save. Alors, faut que je rentre la ligne, faut que je rentre 5-0. Route, faut que je rentre la 33. Et, bien sûr, le code, c'est 903. Alors, ligne 0, 0, 0. Voilà, là, c'est rentré. Route 33. Voilà, 903. Voilà, vous voyez que là, il a mis 903. Bon, voilà, ça c'est bon. Alors, par contre, là, je vais appuyer sur le 92E qui est juste ici, là. Là, voilà. Alors là, ligne, je n'ai pas de ligne. Alors c'est 0. Faut que je mette. Excuserai si je viens de faire un petit bug. Alors là, alors par contre, on va prendre le service la ligne U3 que vous pouvez. Bon, là vous pouvez pas le voir. Bien sûr. Attendez, je regarde si vous pouvez le voir. Non, voilà, vous pouvez pas le voir. Voilà, normalement, j'aurais réussi à prendre des passagers. Alors là, hop, je vais faire, ouais, je fais juste un tour. Alors là, il est en pause apparemment. Alors attendez, faut que je regarde de où je démarre en fait. Faut que je regarde. Ouais, alors faut que je regarde de où je démarre, s'il te plaît. Voilà, je démarre de où? Alors, attendez, je démarre de où moi? Ah d'accord, attendez, j'ai pas mis les machins. Alors, U3. Ouais, si c'est bon, c'était ça en fait. Je marre bien de là. U3. Voilà. Et bon voilà. Hein. Tac. Voilà. Je remplace le. Voilà. Alors, on va retourner dans le bus. Je suis 4 minutes en avance. Alors par contre, je configure mon volant. Hop. Je remets le bus à normal. Alors, par contre, si tu veux bien descendre, faut que j'enlève le frein. Alors, par contre, je mets les portes en automatique. Et par contre, faut que j'appuie. Je le mets sur D. J'appuie sur le frein. Voilà. Et c'est parti. Alors, est-ce que je dois sortir? Non, je pense pas que je dois sortir. Attendez, hop, je remets ça correctement. Voilà. Ah, voilà, regardez, il y a du monde. Voilà, on va prendre des passagers. Alors, hop. Alors, hop, hop. Alors, j'ai configuré. Allô. Alors, je vais vous faire voir. Je suis désolé si je bouge un peu la caméra. Alors, en fait, voilà. J'ai configuré pour l'ouverture de porte. Le frein de parc, je le mets là. Là, pour faire pour que ça soit garé. Et là, je fais l'ouverture de porte. En fait, vu que là, j'ai quatre portes. Alors là, j'appuie juste ici. Comme ça, je suis tranquille. Celui-là, ça ouvre juste la porte avant. Et là, quand j'appuie là, en fait, ça ouvre les quatre portes. La porte 2, la porte 3 et la porte 4. Bien sûr. Hop, attendez, je remets ça correctement. Voilà, hop, ça tu restes là, s'il te plaît. Attendez, hop, voilà, 2 secondes. Voilà, là, normalement, ça doit être bon. Non, c'est pas bon. Hop, voilà. Là, c'est à peu près bon. Voilà, là, c'est bon. Alors là, on va attendre un peu. Attendez, je vais même ravancer un peu de 2 minutes. Alors. Alors, 57, 58, 59. On va mettre à 59. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez que là, il reste 3 secondes. Voilà. Comme ça. Alors, est-ce que encore du monde? Voilà. Alors, vous allez voir que quand je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur, sur la pédale d'embrayage, plutôt, vous allez entendre. Voilà, c'est bon. On peut partir. Ah non, en fait ça marche pas.
En fait, là, je fais juste le tour, en fait. J'aurais dû choisir une autre ligne. Mon ami, je dois faire juste le tour. Parce que normalement, quand j'appuie sur la... sur la... sur l'embrayage, en fait, ça donne à... ça donne un service, en fait. En fait, vous avez une personne qui parle et qui donne les arrêts de bus. Voilà. Alors. Alors, est-ce que je... Ah ben, apparemment, je continue tout droit. Alors, on va aller tout droit. On va bien voir. On va bien voir. Parce que vu que c'est la première fois que je prends cette ligne-là... Attendez. Ah putain, ça a bugué. Alors, attendez, là, à mon avis, là où je me suis gouré. Ouais, je me suis gouré. Alors, je vais faire demi-tour. Alors. Hop. Bon, je vais passer par là. Je ne connais pas la map. Alors. Alors, on va faire demi-tour là. Voilà. Hop. Vu qu'il n'y a plus de route. Voilà, on a fait demi-tour. Ouais, ça craint de gueuler là, les passagers. Ben, je suis désolé si j'ai loupé la route. Alors, par contre, là, je vais changer de ligne. Je vais changer de ligne. Je vais prendre la ligne 10, 17. Non, je vais prendre la 19. Je vais prendre la 19. Parce que la 17, je l'ai faite tout à l'heure. Parce que vu que tout à l'heure j'ai fait la 17, vous allez voir, les portes elles vont s'ouvrir. Alors j'ai tout le monde qui va descendre. Voilà. Alors là, on va attendre un peu. Et tu peux repartir. Ouais, c'est bon. Voilà, en fait, je fais le tour, en fait. Voilà, hein, je fais le tour. Voilà. Vous voyez, là, bon. Là, c'est pas la peine que je reste. Que je fasse le tour à chaque fois. On va annuler la ligne. On va changer. J'ai juste changé de ligne. Je vais prendre la 19. Hop. Alors j'ai pris la 19 là. Bon là ça va être un peu de temps parce que en fait je vais retourner au même endroit. Voilà, non, même pas. Alors vu que là j'ai changé de deux lignes. Alors, ligne. Alors, 19. Hop. Tac. Tac, 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 tac. On part de là. Voilà. Alors, par contre, là, faut que je change ligne. Attendez. Ligne. Alors. Putain, ça va faire chier, ça. Voilà. Alors, 0. 19 0 0 entrée route 02 normalement c'est ça normalement attendez hop je regarde hop si je regarde si c'est ça alors 19 ah, non c'était la 01 ah non si c'est ça c'était 02 02 à Ikea en fait voilà alors c'était bien celle-là. Alors voilà. Alors maintenant. Oh merde con, j'étais resté appuyé sur la pédale d'embrayage, non. Quel con. Ça c'est fait. Par contre. Alors, 19. On va faire un tour. Voilà. Hop. Voilà. Là en fait, ça dit que je remplace le bus 203. Voilà, je suis à 26 minutes d'avance. Alors, j'espère que. Ouais, bah, de toute façon on verra bien. Alors, là, normalement. Hop. Voilà, c'est bon. Hop. On va avancer un peu.
Excusez-moi, parce que vu que je viens juste de manger. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Alors là. Oui, je vais mettre. Je vais faire un truc. Je sais que je vais mettre en pause. Ça, je mets en pause. Pause. Ok. Là, vu que c'est 25 minutes. Alors. Vu que c'est 29, 30, à mon avis, je dois partir et on va mettre 28. Voilà, normalement. Voilà. Hop, on va avancer. Voilà, alors, hop. Maintenant, on va enlever la pause. Alors, c'est Ikea. Non, c'est celui-là. Voilà, tac. Maintenant, on ouvre les portes. Alors, regardez, j'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère que je vais avoir des passagers quand même qui vont monter. Pour l'instant, je n'ai pas de passagers. Bon, voilà. En espérant qu'aux arrêts de bus, j'aurai des passagers qui vont monter. Alors, je vais vraiment attendre la dernière minute avant de partir. Alors, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. Hop, désolé si vous avez plus de son pour l'instant. Parce que en fait j'aime pas travailler sans musique. Rouler sans musique j'aime pas. Alors document au truc musique hop. Voilà, je vais mettre peut-être je vais mettre juste celle-ci. Lecture. J'espère que ça va pas. Ah là c'est largement trop fort. Ah, voyez c'était largement un peu trop fort. Par contre. Voilà, aussi. Voilà. Laissez ça comme ça. Voilà. Hop, c'est bon, on peut partir. Ah oui, merde, faut que je ferme la porte. Hop, c'est bon. On peut partir. Alors. Alors, tout à l'heure. J'ai regardé, en fait ça c'est un feu rouge. Alors la ligne du dans le, je sais pas ce que ça veut dire, mais celui-là qui est juste en dessous, ça veut dire qu'il faut bah c'est comme un feu rouge en fait. En fait voilà, c'est comme un feu rouge. En fait le trait il est rouge, faut attendre. Parce que tout à l'heure j'avais un bus qui voulait pas avancer. Voilà. Mais là normalement ça doit être bon je pense. On va attendre encore un peu. Attendez, parce que là la caméra est un peu. Voilà, elle est un peu trop basse, je pense. Voilà. 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 Regardez, hop, voilà. Alors attendez, hop, je remets ça. Alors, comme ça, en même temps, vous avez celui-là qui passe au vert aussi. Alors, comme ça, en même temps, je sais pas. Je sais pas si vous allez. Attendez, non, je vais arrêter la musique plutôt. Voilà, moi, comme ça, vous pouvez entendre. Voilà. Le jeu. Alors, par contre, je roule comme un peu un foufou. Mais, c'est pas grave encore ça. Ou à moins que je me suis trompé encore une fois. C'est Ikea, je crois. Ouais, je me suis trompé en fait. À mon avis, ouais. À mon avis, je me suis trompé. Vous allez voir. À mon avis, je me suis trompé dans une. Voilà, on va se mettre là. Alors, est-ce que. Voilà, on va se mettre là. Regardez bien. Je vais faire. Je vais juste changer le truc. Terminus. En fait, voilà, j'ai pris Terminus. Normalement, c'est Ikea. Voilà. Vous avez du courrier, monsieur. Voilà. Vous voyez que là, les passagers montent. Et c'est ça, je me suis bien trompé. Dans le truc. Alors attendez, hop, je remets ça correctement. Attendez, j'étais où là? Attendez, faut que je remette C. Alors, attendez, parce que là je suis dans les W. Alors, voilà, W. Alors, hop, voilà, c'est bon, c'est parti. Vous avez entendu le petit personnage. Mais par contre, je vais peut-être remonter un peu le son. Mais je sais pas si c'est le son de computer. Ouais, attendez.
Attendez. Hop, je vais peut-être remonter le son. Option. Son. Alors, attendez. Voix du maître. Voilà, on va mettre un peu. Voilà. Son computer. Voilà, c'est ça comme ça. Peut-être un peu plus. Voilà. Ouais, juste que vous puissiez entendre. Oui, voilà, ça c'est bon. Alors. Ah, par contre, on va enlever ça. On va enlever la souris. Alors. Par contre, là, c'est. Là, vous allez voir, ça va être chaud. Parce que normalement, ils auraient dû mettre l'arrêt là. Mais en fait, ils ont mis l'arrêt là. Je sais pas pourquoi. Parce que là, avec un bus accordéon, on a du mal à passer. Hein. Alors, voilà. Eh, mais dépêchez-vous de monter. Le prochain, c'est le 17 et dans 5 minutes. Et le prochain dans la ligne 19, il est dans 20 minutes. Ça, à mon avis, c'est des passagers qui prennent soit le 17. Bah, qui prennent le 17 parce qu'il n'y a que le 17 et 19 qui passent sur la même ligne. Alors là, par contre, là, hop. Voilà, maintenant, hop. Parce que, ouais, c'est bon, il passe, hop. Voilà. Et c'est parti. Ça, vous entendez la voix? C'est dès que j'appuie sur l'embrayage, en fait, ça donne les noms d'arrêt de bus. Voyez, tiens, j'ai croisé mon collègue. Ligne 19. Vous allez voir après, on va vous allez vous fondre la gueule parce que après, c'est chez Ikea. Vous allez voir. Vous allez voir ça après. Côté tag. Côté tag. Alors. Alors, ah tiens, l'Alberto qui vient de passer là. Hop, bien sûr, moi je mets que toujours les clignotants. Voilà, là vous voyez que je viens d'appuyer sur l'embrayage. Alors, le principal, les clignotants sont configurés sur le volant. Le reste, je les ai pas configurés. Voilà, à part pour tourner la tête. Voilà, c'est tout. J'ai que ça, le reste, j'y touche pas. Je préfère pas trop y toucher. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'épisode 2 de mon retour sur HomeSit Bus. Sur HomeSit 2. Voilà. Alors, hop. Voilà, vous allez voir, des passagers, ils vont monter. Par contre, je vous ferai peut-être à la fin, je vous ferai voir comment configurer comment configurer la ligne. Alors, vous avez sur les maps d'origine du jeu, vous avez les man. Les man, c'est facile. Vous pouvez sans les configurer. C'est facile parce qu'en fait les passagers ils montent quand même sans que ça soit configuré sans que la ligne elle soit configurée en fait voilà. Mais par contre sur celle-là vous avez bien vu que je me suis trompé, j'avais mis l'arrêt là où j'étais au terminus, mais voilà, en fait faut pas en fait voilà, faut choisir. Et maintenant si vous êtes un Arwick, faut pas mettre le terminus à Narvik parce que automatiquement les passagers ils vont pas monter. Voilà, c'est que mettons si vous avez un feutre de Narvik, vous mettez l'arrêt le terminus à feutre. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Moi je suis chez moi, je suis tranquille. Alors le 17 est dans 5 minutes. Là, il y a du monde qui monte. Heureusement que j'ai pris le bus accordéon quand même. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne. C'est bon. Hop.
Parce que sinon, on a raté bien dans le caca. Alors là, par contre, j'ai configuré aussi tout à l'heure le. J'ai mis les portes automatiques. C'est quoi ça? Ça m'a mis d'appuyer sur le bouton, sur les boutons. Attends. Ouais, j'avais oublié d'appuyer. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà. J'avais oublié d'appuyer sur les. Ça vous entendez en même temps le son. Ou en même temps vous entendez l'autre personne en train de gueuler. Alors là il y a du monde qui monte. Hop, c'est bon, je peux fermer les portes. Hop, c'est bon, je peux enlever le frein. Alors regarde si collègue, c'est bon, le collègue il n'est pas derrière. Alors là, tout à l'heure, je me suis amusé à jouer un peu. Voilà, je me suis amusé à jouer un peu. Juste pour voir, pour tester les lignes. Mais là, apparemment, les lignes marchent impeccables. Parce qu'en fait, que j'ai commencé à jouer dessus, bah hier, j'ai dit, merde, il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. Parce qu'en fait, le... Comment? J'ai dit, putain, j'ai bien configuré la ligne. Pourtant j'ai bien configuré la ligne, mais le souci c'est que j'ai les bus qui, bah les passagers qui voulaient pas monter quoi. J'ai bien, pourtant j'ai bien configuré la ligne, merde. J'ai bien, il y a un problème. Et en fait, fallait que je vous fasse avoir ça tout à l'heure. Il fallait que je configure sur le dans un dossier, pas dans un dossier, mais sur le petit, dans un des carrés. Que je vous ai fait voir tout à l'heure là au début, qu'il fallait configurer tout ça. Voilà, où je vous fais avoir ça. Voilà, je vous fais avoir ça tout à l'heure, soit en photo ou en vidéo. Alors est-ce que, hop, attends, attendez, je m'arrête, c'est bon, il n'y a personne. Ouais, c'est bon. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est passé. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez bien vu que j'avais démarré là au début de la vidéo. J'ai démarré ici là. Le U3. Voilà. Ben en fait, il faisait un cercle, machin, le bus. Alors voilà. Voilà, tac, c'est bon. Est-ce qu'il y a des passagers qui montent? Ouais, c'est bon. Bon, il n'y a plus de passagers. Hop. On attend que la porte se ferme pour en déclencher le frein quand même. On regarde s'il n'y a personne derrière. Hop, c'est bon, il n'y a personne. Hop. Alors j'espère que je ne suis pas. C'est G, hein, c'est ça, hein, je pense. Ah, je me suis encore trompé. Voilà. En fait, faut que je pense. Dès que je quitte le terminus. Bah l'arrêt plutôt, parce que vu que c'est pas le terminus. L'arrêt, faut que je pense à rappuyer sur l'embrayage. On va attendre que la mémé soit ici. Bon, hop, c'est bon. Hop. Alors, ligne 19. Au lieu que voilà. Faut que je tourne à gauche, là. À droite, plutôt, merde. Hop, attendez. Regardez. Hop. Est-ce que... Attendez. Est-ce que là, faut que je regarde s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Hop. Voilà. Voilà, ouais, ouais, c'est bon. Pas s'embêter. Hop, c'est bon. Hop, j'enlève juste la souris 2 secondes. Voilà.
Alors celle-là, c'est la première fois que j'apprends la ligne. Hein. J'ai testé sur les autres, sur la 17. Voilà. Il n'y a que sur la 17 U3 que vous avez pu voir tout à l'heure, la U3. C'est tout. Il n'y a que sur celle-là que j'ai testé. Ah, attendez, le frein qui voulait pas se mettre. Alors, speaking French. Eh, moi je parle français. Alors parlez français. Alors, hop. Attendez, hop. Voilà, faut que je déclenche le frein. Hop, allez, s'il te plaît. Ah, tiens, j'ai collé qui m'a rattrapé. Bizarre, ça. Bizarre. Ou alors, c'est la 14, plutôt. Mais je crois que la 14, elle passe là aussi. C'est pourtant... pourtant, moi, je suis à l'heure. Regarde, j'avais... Ah non, c'est... Ah si, c'est la 14. Ah non, c'est la 19 qui est derrière. Attendez. Ou alors c'est moi qui arrivais. Vous allez voir, alors après on va aller chez Ikea, là. Oh, ça me paraît bizarre ça. Attendez, je crois que là, je crois que j'ai une cloche là. Ah, accès, crash. Attendez, là il y a un problème. Alors vu que là c'est la première fois que je prends cette ligne là, vous voyez bien que j'y mets, ça me paraissait bizarre. Mais il y a des bugs encore. Alors, hop. Regardez. Même ami là, va se manier cul. Alors on passe à l'intérieur du machin, je sais pas pourquoi. Alors là, je suis à 30 km/h. Alors, normalement, voilà, normalement, voilà, je tourne à droite. Voilà, Larry, il est là, Fred. Il y a des poulets devant. Et les keufs. Alors là, je suis... Voilà, là, c'est bon. Je suis bien là. Alors, voilà, hop, c'est bon. Hop, on se remet bien là. Ah non, merde, je croyais que c'était les keufs. Ça va, c'est pas les poulets. Et là, que maintenant, je suis en avance. Allez, on va dire d'une minute.
Et vous entendez le personnage parler un peu. Whoop! Wouh! Alors, je roule à 30 km/h. Je préfère respecter la limitation de vitesse. Par contre, je vous ferai peut-être à l'aide dessus demain, ça veut dire mercredi. Ça va dépendre à l'heure que je vais avoir, à l'heure que le montage va être fini. Et puis à l'heure que la vidéo sera mise en ligne. Un con, con, quel con. Voilà. J'étais en train de faire le con là. Ah, attendez. Merde, je me suis gouré. Ah putain. Merde, c'est l'autre. Ah putain, merde. Attendez, je me suis gouré. Ah, attendez. Là, faut que je sorte comme ça. Alors. Alors, on va mettre B. Hop. Alors, hop. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Hop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ferai un live dessus mercredi, mercredi après-midi, bien sûr. Mais par contre, le début du live passera sur les coups de 3h, 3h30, parce que faut que j'aille voir quelqu'un à 2h. Voilà, je le tiens à préciser. Alors attends, hop, à gauche, tiens, à la droite, merde. Hop, voilà. Alors là, on va accélérer un peu, mais pas trop quand même. Et zone limitée à 30. Alors là, ça va, ben ça va, ça lag pas trop quand même. Alors, j'espère que le son pour vous, il est impeccable parce que j'ai pas encore vu ma vidéo sur YouTube encore. La première, je l'ai pas vu encore. Je sais pas le son, qu'est-ce que ça donne actuellement. Voilà. Alors moi, j'ai abaissé, je suis à quasiment à un trait et demi sur OBS, mais normalement, ça devrait être bon là, je pense.
côté tag. Ah bah elle est un peu plus longue quoi, je crois celle-là. Obligatoire de tourner à droite alors de toute façon. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ou des vidéos maintenant que je fais. Voilà. En fait, je vais peut-être enlever le truc là que j'ai mis. Voilà, je vais l'enlever. Je vais l'enlever en fait. En fait, c'est comment? Fast track noir, je crois. C'est comme ça, un truc comme ça. C'est pour ça que vous avez le petit écran noir, un petit écran de télé. Voilà, et puis que ça va en noir et blanc. Hop. Ah, l'arrêt de bus, il est où là? Il est là-haut, impeccable. Hop. Attends, je regarde si je suis bien. Ouais, c'est bon. Oh, t'es mignonne. Ouais, bah toi, t'es pas beau. Voilà, hop. Ouais, bah, je pense qu'on va y arriver, hein. Je pense qu'on va y arriver. Là, tout à l'heure, j'étais parti avec 2 secondes de retard. Et là, avec là, je suis en avance. Et c'est bizarre, quand je suis en avance, il n'y a personne qui gueule. Alors, tout à l'heure, j'avais quoi? Même pas une minute de retard. Les personnes, ils ont pas gueulé. Et regardez, c'est marqué une minute. Hop. Voilà, après on va essayer de voir de prendre la 14. Et là, tranquille.
Alors j'espère que ça va vous plaire quand même, c'est les vidéos que je reprends au fur et à mesure. Voilà. Ah, j'adore jouer à ce jeu-là. Par contre, je vais essayer de voir si je peux trouver un siège de voiture là. Tout à l'heure, pas trop cher. J'allais voir. Je vais voir à la casse auto. Allez, hop. Qu'est-ce que t'as fait, Snoopy? C'est bon, c'est parti. Ah, on vient de croiser le collègue, je pense. Ça doit être soit le 14 ou le collègue de l'année 19. Ouais, on arrive à Ikea. Au TED Talk. Mais Ikea. West. Marqué IKEA Ouest. Alors, vous allez voir, c'est tellement ressemblant que bon, pas tout à fait ressemblant quand même, mais je pense hein, je sais pas, j'ai pas été en Allemagne le voir. Je pense que c'est une map Allemagne, une ville allemande ça, je pense hein. Et voilà, on a fini cette vidéo ici. Voilà, je vous remercie de l'avoir vu. Si vous l'aimez, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve demain en live. Peut-être à cet endroit-là, on va bien voir. Voilà, je vous remercie et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo ou en live demain. À plus!